C'est le 12e repas là qu'on fait. L'idée, c'était vraiment de passer un moment tous ensemble, entre commerçants, clients, les vendeurs, les vendeuses, de ceux qui veulent venir. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de faire quelque chose de la convivialité, tout simplement. Le premier repas, on a dû faire entre 250 et 300 repas quand même. Donc c'était pas Ella. Donc mon idée, c'était de faire ça, je voulais faire un grand repas sous les arcades. Donc à l'époque, c'était Jean-Paul Didier qui était le maire, donc qui nous a soutenus sur le lancement de cette initiative. Et donc ça a tout de suite bien plu, quoi. C'était vraiment sympa, quoi. En grosse ampleur, là, déjà même 2 ans, l'année dernière, beaucoup de monde. On a fait 450 repas vendus l'année dernière, et là on a déjà vendu 500 repas. La date est déjà fixée pour l'année prochaine, hein, puisque pour la logistique des tables, des réservations, de la ville, donc premier week-end de juillet 2024.